Bon, pas forcément d'époque. Nous allons vous interpréter maintenant une pièce espagnole. Donc, il y a eu une belle journée ensoleillée, contrairement à hier. Quand on est arrivé, on a eu un peu peur. On s'est dit, mon Dieu, on quitte la Provence, on a un temps de pas joli. Et aujourd'hui, il fait grand beau. Mais bon, les astres sont avec nous. Voici donc un air espagnol, la Rodana. Vous pourrez frapper dans vos mains. Non, mais quand on vous le dira, attendez. Chef, là, c'est... Alors, c'est pas moi qui vais diriger, c'est mon adjoint. Le capitaine Vladimir Kourda, pour vous, la Rodana. Restons dans le caractère un petit peu espagnol, mais on va traverser l'Atlantique et on va aller du côté du Mexique, pays ô combien emblématique pour la Légion étrangère, puisque son fait d'armes le plus marquant, Cameron, c'est l'histoire de la Légion, c'est la légende de la Légion.
Cameron, je ne vais pas vous en faire, je ne vais pas vous en parler toute la soirée, ça va être trop long et ce n'est pas le propos. Dans les musiques de films, il y a des westerns. Et Dimitri Tiomkins a fait la musique d'un film qui s'appelle Rio Bravo. Personne ne l'a vu. Qui ? Levez la main. Bien, c'est mieux que rien. On m'a dit à Macron, tu verras, c'est pas facile, le public est pas chaud. Mais je me rends compte que c'est vrai, quoi. Ah ben voilà, ça réagit, c'est bien. Mais je rigole, oh. Voilà. Bien, voici donc un extrait de la musique de Rio Bravo avec un titre qui s'appelle Degüello. Degüello en espagnol, c'est coupé cabèche. Ben oui, ça rigole pas. Et il y a un solo de trompette qui va être assuré ce soir par l'adjudant-chef Vassiliev, un trompettiste normalement infaillible jusqu'à maintenant. Elle existe depuis 1849. C'est la seule unité montée de l'armée française et la plus grande au monde. Elle compte environ 480 cavaliers. Elle dépend de la gendarmerie, est responsable de la sécurité de la présidence de la République et des grands palais nationaux. Elle est également
chargé des services d'honneur en présence du chef de l'État et des hautes autorités publiques lors des manifestations officielles. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir la garde républicaine de Paris.
Cette reprise nous a été présentée par l'adjudant Christophe Martin. Enregistré en 1971 par John Lennon, qui souhaitait un monde en paix, alors que les États-Unis sont en pleine guerre du Vietnam. Cette chanson évoque un monde sans religion, sans guerre et sans frontières, avec pour seule nationalité l'humanité. Je vous laisse découvrir cette chanson de John Lennon.